Salut les cadavres, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On retourne sur League of Legends, on retourne avec Brand Support, que je commence à alterner avec Fiddlestick. Mais Fiddlestick va bientôt être remplacé certainement par Morgana, parce que on va dire qu'elle est quand même en retour en grâce sacrément ces temps-ci. Pourquoi cette game plus qu'une autre? Alors pas parce que je joue un Brand de folie, hein. Il y a au moins 3 fois où je me donne corps et âme à l'équipe adverse. Mais parce que je joue avec Fire Lore Master 1, que je vais appeler Fifi parce que son surnom est beaucoup trop long, et que c'est un de mes abonnés que j'aime beaucoup, et que je suis très content de jouer avec lui pour la première fois. Et c'est dommage que Ned n'ait pas été dispo à ce moment-là, parce que si vous regardez le line-up, eh ben, on aurait été full team gens qui se connaissent, ce qui est plutôt cool et qui n'était pas arrivé depuis très longtemps. Principal problème de la partie pour nous, bah c'est le Nasus qui va être intenable en fin de partie, surtout quand il aura le Black Shield de Morgana dessus et qu'on pourra pas l'arrêter. Voilà, on va se retrouver confronté plusieurs fois à cette grosse frontline qui fait très très mal. Alors c'est pas que la nôtre fait pas mal, c'est que la nôtre fait vachement moins mal. Mais regardons tout ça en détail. Je vais m'entraîner dans ce visionnage à utiliser les raccourcis pour cibler directement les mecs de mon équipe ou les mecs de l'équipe adverse. Alors c'est un poil complexe parce que 1 j'y suis pas habitué et puis 2 ça fait quand même qu'il y a 10 touches à mémoriser. Je les ai placées de manière à ce que ça soit plus ou moins facile de mémorisation, mais il y a des moments où je vais me planter. Nous voilà en face de lane, la Miss Fortune en early sera plutôt efficace, c'est-à-dire qu'elle va bien placer ses boulets de canon. Et boulets de canon c'est quand même un truc qui fait vachement mal quand c'est bien placé. Et voilà, on va dire qu'au début elle me rend pas les choses faciles, Morgana a bien sûr commencé à la cage. Moi j'essaye de faire en sorte que la MF rate ses last hits en posant des plaques qui l'obligent à bouger. Mais c'est pas d'une évidence crasse non plus. La Morgana, globalement, alors son Black Shield a fait beaucoup en fin de partie. À part ça, elle a pas des cages prédictives. On va dire que je vais appeler ça comme ça. Quand j'affronte des supports qui ont des skill shots, principalement ben Morgana, Lux, Thresh, ces gens-là savent où lancer leur grab, où lancer leur cage, parce qu'ils savent vers où tu vas t'échapper. Et en essayant de t'échapper, bah, tu tombes pile poil là où vous avez visé. Et c'est très énervant parce qu'en fait, pour échapper à une cage, grosso modo, il y a deux directions. Et normalement, ça devrait être du 50-50 à chaque fois. Et j'ai juste l'impression qu'il y a des gens, bah, c'est pas 50-50, ils savent où tu vas aller, quoi. J'ai affronté des Thresh, j'avais beau tenter des esquives dans tous les sens possibles de la terre, bah le Thresh me gaulait. C'est presque énervant en fait. Et cette Morgana là, elle n'est pas comme ça, c'est-à-dire qu'elle lance ses cages une fois sur deux dans le bon sens, une fois sur deux dans le mauvais sens, et on a l'impression que c'est déjà un peu plus logique. Vous voyez, moi là je suis pas mécontent d'avoir les capacités de régène qui sont les miennes. Ça me permet de pas être à 4 points de vie. Mon auto me rend suffisamment de points de vie.
Le fait que je régénère une partie de mes HP quand j'ai été frappé me remet aussi en état. Là, malheureusement pour nous, je ne voyais pas la MF en train de back. La Morgana joue bien parce que elle reste plutôt à portée un petit peu, ce qui fait que je tente de lui faire des misères puisque je sais que moi je vais back, donc ça me dérange pas de perdre quelques points de vie. Mais si j'avais su que la Morgana, si j'avais su que la Miss Fortune était dans le bush juste à côté en train de back, j'aurais peut-être fait du faux je vais sur Morgana et hop, j'aurais tenté les petits sorts sur le côté. Mais bon, la ward, je l'avais placée chez nous en défense et pas chez eux. Morgana et moi revenons à peu près en même temps, sauf que Fifi est arrivé avec son écho. Il a bien chopé la Morgana dans sa grenade temporelle. Graves est venu. Graves va repartir parce qu'il n'y a pas de soutien et qu'on est 3 et que on n'a pas beaucoup de points de vie, mais en fait Echo se comporte comme s'il en avait plein et du coup ça inquiète. Une petite mise en pression en bot. Un petit soin à l'auto-attaque pour moi. Vous voyez que pendant ce temps en mid ça se réfléchit. Graves était embusqué, sauf qu'il se souvient plus que j'ai wardé juste derrière le buisson. Il bondit en plein dans Sivir. Il fonce vers moi pour une raison fort mystérieuse. Il se fait Black Shield, ce qui le sauve. Moi j'ai pas d'ulti, c'est là qu'un ulti aurait été magnifique. Bon, on est que niveau 4 ou 5. La MF va placer de bons ultis à certains moments. Bien calé, hors de portée de tout contrôle. Là, sans le Black Shield, j'aurais pu stun le Graves et on faisait quelque chose au bout. Qui a dit que le Black Shield était un counter de Bran? On ne voit pas du tout. Bon, nous on sait qu'on fera pas mieux, moi la mana elle est pas là, hein, ça régénère pas aussi vite que la vie. Donc accélération du temps temporel. Retour en lane. Le first kill était bien sûr pour Fifi qui revient parce que après tout il se dit il a eu un first et il aura peut-être un second. Isa crash son ulti. J'ai toujours pas mon ulti à moi à mettre. Et là la MF hyper bien placée nous oblige à fuir. Zéro mort partout. Echo est mal, Morgana est pas hyper bien non plus, mais elle a claqué une popo, elle est en train de se régénérer. Nous on se dit qu'on peut éventuellement pressuriser un petit peu cette tour. Moi j'ai toujours pas mon ulti, il me démange un petit peu. Le problème c'est que la MF a encore beaucoup de points de vie, que ça serait pas évident de la choper, bien évidemment. Qui c'est qui se fait choper? C'est Bibi. On va la reprendre Gisèle. Je crois que je suis resté sans remarquer qu'en fait tout le monde s'est un petit peu barré. Il y a des moments comme ça où l'œil devrait balayer la map plus souvent et en fait l'œil il est fixé sur l'adversaire et il voit pas du tout qu'il y a personne. Pendant ce temps en top lane, vous voyez que le Nasus contourne discrètement le Garen parce qu'il sait que Graves est là. Du coup quand Garen essaye de back, il a quelques pixels de retard parce qu'en fait le Nasus pourrait lui mettre deux autos avant qu'il se barre. Plus tous les ralentissements de la terre, plus l'ulti de Graves à la fin. Il avait pas de chance. Isa gratte des minions. C'est tentant d'empêcher le back de Morgana, sauf qu'en fait c'est un faux back. Elle se prend quand même la roue dentelée. Et Isa sait que de toute façon, voilà,
C'était pour la frime, sauf qu'en fait elle revoit des minions, donc elle se rejette en avant et elle fonce sur Morgana, elle flash, elle la tue. Et MF se dit qu'elle a tous les minions sur elle et qu'elle va pas tenter l'impossible. De toute façon, elle a plus de mana. Et ça aurait été rigolo qu'elle tente parce que j'arrivais derrière. Donc vous voyez que la MF finalement elle joue pas si mal. Hein, elle se lance pas non plus dans des trucs complètement débiles. Il faut lui rendre ça. On la laisse avec les minions. Est-ce qu'elle aura le canon? Je crois, il me semble, je sais pas trop. Pendant ce temps, Garen revient hyper énervé. Silence, tourbilol. C'est une longue séquence. Il se prend le ralentissement de Nasus qui s'enfuit sous sa tour, donc on va dire que c'est perdu. Repli vers les buissons, Nasus prépare un bac, il aurait eu raison de bac, sauf que pour une raison mystérieuse, je pense qu'en fait c'est, il voit Azir qui arrive sur la carte en bas, et il se dit « Ah, on va choper Garen en sandwich avec Azir ». Et du coup il s'est trop avancé, et il y avait Echo. Et sa critique ulti comme il faut. Et Echo revient en pleine forme, à l'autre bout de la map, il y a Z qui était venu, et le Azir est... En fait, le Azir venait par derrière l'Hérald, et bizarrement, il a fait tout le tour par les golems. Je sais pas bien pourquoi. Le Z se farcit Azir, le Graves repart. Une main devant, une main dedans. Nous on est revenu en bot. On essaye d'amener les minions sous leur tour aussi vite qu'on peut. Histoire que MF soit pas dans une situation super agréable. J'ai pu placer un ulti, mais Black Shield, et de toute façon elles ont été assez intelligentes pour s'écarter. À trois reprises dans cette partie, c'est l'équipe adverse qui va mal se placer et me filer des kills grâce à l'ulti. Tout le monde sait que quand on se prend l'ulti de Brand, faut s'écarter. Faut surtout pas rester à côté. Et il y a trois moments, je crois, où franchement les mecs vont venir se marcher dessus. Ce qui est plutôt magique pour moi. Hein. Faut dire ce qui est. Merci à eux. On avait une belle petite frontline de 3 minions alignés qui permettait de se planquer de la cage de Morgana. Ce qui a fonctionné. Je suis pas dans un état des plus stables, mais en face c'est pas la fête non plus. Jolie cage, ulti, je fais demi-tour avant de marcher dedans comme un con. On sait que MF n'a plus d'ulti. Elle est tentante, elle a plus beaucoup de points de vie. Malheureusement, Echo n'est pas derrière. Il est occupé, dirait-on. Le Z se faufile aussi. Mais c'est pas pour notre bot lane, vu qu'il y a de l'engage face au Azir. Mon ulti revient dans 5, 4, 3, tout ça, tout ça. J'aurais dû flash. Eh ben j'ai flash. Flash, Black Shield. J'évite la cage qui est pas vraiment dans la bonne direction, faut dire ce qui est. Isa se fait ignite, ben heureusement que c'est pas moi. Et là, la Morgana, elle est allée marcher dans le cadavre de la MF, et du coup, elle s'est repris les effets de mon E. Et donc, elle explosait à la fin, sinon elle était sauvée. Si elle n'avait pas remarché dans le rond autour d'MF, elle était sauvée. Pendant ce temps, River Dragon, Echo place sa grenade, Z se jette sur Azir, Graves contourne un petit peu trop longtemps. Azir fait son ulti plus flash pour se sauver avec un ignite sur le cul. Graves poursuit Echo. On tente tout pour sauver le soldat Azir.
mais qui a quand même de bonnes capacités d'escape, sauf qu'il n'a pas le temps de lancer son sort pour se ramener sur son soldat. Il tente son petit bouclier, le Echo lui bondit dessus, smite, auto-attaque, et le Echo survit, plutôt par magie, faut le dire, grâce à son ulti, à l'ulti de Graves. Mais vous l'avez complètement déformé! Entamage du dragon, moi j'ai plus beaucoup de points de vie, mais ça m'empêche pas de venir donner un petit coup de main. Pour la forme, pour dire j'y étais. Retour en bot lane. Sivir est là, elle a ses summoners, double team en face, moi je mets un peu de temps pour arriver. Je sais pas bien pourquoi d'ailleurs, je suis si en retard que ça. Morgana se prend la saucée dès le début. En plus, Sivir a volé le raid notre nouvelle amie Fifi. C'est pas bien, c'est une voleuse et puis, si vous saviez. On déward posément la rivière. On a une pink au dragon, une pink dans le tribush. Il y a une ping chez eux, elle va pas tarder à partir parce que je ping toujours le. Enfin toujours, souvent le tribush quand on arrive là. Parce qu'il n'est pas rare que en fait on s'arrête à ce niveau-là ou que je laisse l'ADC ici. Et je préfère toujours lui filer la vision dans le tribush. On leur vole la plante qui révèle, ça évitera qu'ils virent toutes nos wards. Et on se réunit en mid. Et le Azir est en train de back. Et le Azir s'en va. On sort du buisson. Tac tac, personne ne nous a vu. Et du coup, cette pauvre tour mid, comment dire ça poliment. Voilà. Et en général, quand on fait ça, on sacrifie la tour bot. Hein. Puisque vous voyez que la bot lane adverse elle est en train d'arriver devant la tour. Et bien là non. Et là non, on arrivera juste à temps. Je sais même pas s'ils auront le temps de taper un petit peu sur la tour. En plus, on est suivi par le Z. Sivir lâche son ult, je traverse la plaque. J'évite la cage, mais le Z non. On se prend la zone qui ralentit. Tentative avortée. Et là, ils ont beaucoup wardé. Je vais juste donner mon cul, en fait. Ils ont beaucoup wardé. Je me suis fait cage plus la zone. Je tape dans le vide en espérant toucher quelqu'un, ce qui n'est pas le cas. Et là, le Z s'en va et là, je devrais back. Et là, je devrais back. Et là, je back pas parce que je cherche où est la ward. Bon, j'ai bien vu qu'elle vient d'en placer une. Donc, on évite, on déward. Deuxième chance de me barrer, je me barre pas, je crois qu'elle est seule, et là je tombe sur le greffe qui descendait. Bon, je lâche un ulti, plus par réflexe et par vengeance, mais vous voyez qu'avec un peu d'AP en plus, franchement, le greffe Zella Morgana, je sais pas s'il n'y avait pas moyen. Hein. Donc s'il n'y avait pas eu le Black Shield, moi je vous avoue, le Black Shield m'a beaucoup fait chier pendant quasiment toute la partie. Énorme pogo en top, Z fonce dans le tas, ulti Azir. Et alors là, il se passe un truc que moi je me suis dit, il faut qu'on voit ça d'un peu plus près au ralenti. Vous allez voir qu'en fait, le Z échappe à la mort parce que quand il revient sur son ombre, il se prend un tir de la tour, mais la tour en fait a changé de cible entre temps. Le Z aurait dû crever, mais la tour, malgré le fait qu'elle lui lance un tir dessus, elle est passée sur Garen, je crois. Vous allez voir que le Z est ciblé par la tour. Il fait son ombre. Il se fait toucher et il manque de crever. Il sort de la zone d'aggro et il flash dedans. Il se prend un tir et la tour est en train de cibler Garen. Je ne sais même pas comment c'est possible. Au moment où il est sorti de la zone d'aggro de la tour, le tir allait quand même vers lui. Mais du coup, il a été sorti de la liste d'aggro. Ça doit être ça l'idée.
Alors, est-ce qu'il a flash en le sachant? Ça, je sais pas, mais en tout cas, c'était bien joué. Je vais en bot essayer de sauver la tour et on dit à Seb, vas-y TP, TP, TP. Je crois que c'est la première fois que je vois faire un TP salvateur hyper bien vu. C'est un truc qu'il faut qu'il apprenne, c'est une mécanique qu'il a pas encore, de son propre aveu, hein. C'est de savoir quand est-ce qu'il faut TP. Et du coup, ça nous fait un top laner qui est pas hyper réactif sur le TP, TP back, ce genre de choses-là, mais on apprend à tout âge, même moi j'apprends. Donc, les autres aussi, merde, y a pas que moi, quoi. Un petit peu de Kara pour nous donner de la vision. Avec le prochain Drake est dans une minute. Isa récupère de la thune un petit peu où elle peut. Moi j'essaye de faire le blue. C'est con s'il n'y avait pas eu cette putain de ward. Parce qu'en fait le Azir vient et je matche pas. Voilà, c'est lui qui récupère le blue malgré tout. Morgana me fait ce qu'elle peut mais c'est pas suffisant. Elle voit ma ward, elle attend à côté, donc elle se prend un QZ, un ZQ pour être précis, qui l'avait mis vie. MF réplique, Graves réplique, moi j'ai pas assez de mana. Ça complique un petit peu la donne. Echo se fait cage. On chase un peu, franchement on devrait pas, mais bon, je vous ai dit au début de la partie que je me livrais plusieurs fois, c'est au cours de ce genre de mouvement hardy, bah, c'est-à-dire qu'en fait, le brand que j'ai fait beaucoup de dégâts par rapport à ceux qui peuvent encaisser en face, et il y a des moments où j'ai l'impression que le 1v2 serait possible, alors qu'en fait, il n'est pas possible, pas pour moi en tout cas. Mon ulti aurait pu, encore une fois, vous voyez, c'est rien que la Morgana elle s'en tire parce que c'est la mode. La MF a un petit peu plus de points de vie, mais bon, moi je m'en sors, je crois que je m'enfuis, j'ai 29 points de vie. Donc je me plains pas, mais à quelques grammes d'AP en plus, j'arrivais à faire de beaux doublés qui n'iront pas trop vite. Isa décide de sauver le Graves, son ulti ne tue pas Echo, elle profite pas de sa capacité à fuir pour partir immédiatement. Je pense qu'elle veut se payer le Graves, mais malheureusement, alors je sais pas si elle s'est fait ignite ou si c'est le red buff, mais elle était enflammée et ça a causé sa perte. Là il y a un beau dragon, je trouve vraiment dommage qu'on l'entame pas. Mais bon, en même temps, c'est pas à moi de donner le la du dragon, et je pourrais pas le solo. On revient en défense de tour. Tant qu'on évite la cage de Morgana, il y a moyen de survivre. De toute façon, les deux miss, elles restent pas. Je vois qu'Isa revient, donc on freeze. On ramasse un peu de farm derrière. Quand même, hein, faut pas déconner. Et tout le monde se précipite, enfin, sur le Drake. Beaucoup trop de gens rassemblés en mid, moi j'ai un ulti qui me démange. Le Black Shield de Morgana est passé. On peut juste choper Azir, et encore c'est pas sûr, non, il arrive à se barrer là.
plus tard qu'on arrive à le choper. Mais ils sont dans l'eau, ils sont dans l'eau. On aurait dû grouper plus que ça en fait. Il y a des moments où on se retrouve à 3 contre 4 ou 3 contre 5 et il manque le rien de dégâts qui fait qu'on déboîte tout. Le Azir est à 2 points de vie, la Morgana aussi, mais bon, entre temps, moi j'ai absorbé quand même pas mal de dégâts dans ma gueule, et du coup j'y passe. J'ai juste emporté le Graves, je crois, le Azir s'en sort d'un poil de cul de mammouth. Et là, voilà le moment béni. Heureusement qu'il n'avait pas son flash. Une tentative de vol de Drake. Mon ulti est pas encore là, c'est un peu dommage. Obligé d'y aller un peu à l'arrache. L'ulti de MF est bien placé sur le papier, mais malheureusement, le Echo a réussi à s'en sortir en ultitant, en ultisant, je ne sais pas comment on dit, en ultant en dehors. Il voudrait bien se payer la MF, malheureusement, elle a une mousse-pique de taré. Puisqu'elle a fait une new-mou. Echo a survécu à l'ulti, mais pas au tir qui a suivi. Et les autres étaient un peu loin pour le sauver. Moi, je suis en mid avec Garen. On joue à chat avec Azir. Ils ont bien wardé. Ils ont beaucoup, beaucoup wardé. J'ai pas assez déwardé dans cette partie, je me rends compte. J'ai juste un petit Azir qui est gentiment resté devant moi à dépêcher des minions au lieu de me taper. Et c'est bête parce qu'en me tapant, je pense que franchement, il m'aurait eu. Isa part en ulti. Je crois qu'elle a déclenché sa bulle, j'en suis pas sûr. Non, non, elle avait pas déclenché. J'ai eu l'impression au visuel à un moment que elle déclenchait la bulle juste avant la cage de Morgana, mais non, elle l'a gardée pour la suite. Elle a esquivé de manière naturelle. On voit sur la mini-map les forces en présence qui se regroupent. J'évite la cage de Morgana, ce Black Shield. Elle ulti, j'essaye de me barrer, j'arrive à lui mettre suffisamment de dégâts. Malheureusement, j'ai un grave sur le cul. Et ça suffit. Et Grave a une bonne capacité d'escape. Sur le papier, ça aurait pu marcher. Sauf qu'il y a quand même un Echo et un Z qui le poursuivent. Autant dire que ça devient un peu complexe pour lui de survivre. Nasus est le problème de cette partie, principalement parce que Morgana va s'évertuer à lui coller le Black Shield sur le cul et que du coup il est inarrêtable. Et qu'à de nombreuses reprises, un Nasus c'est pas vraiment un tank que t'ignores, grosso modo. C'est un tank qui te déboîte à coups de Q-spell hyper répétés. Nasus en Black Shield, on n'est pas bien. Morgana, malheureusement du coup, n'a pas pu sauver Miss Fortune qui a fait son ult mais qui l'a payé de sa vie.
Moi, je suis en bot. En fait, j'essaie de repousser la menace bot chez eux. Je vais pouvoir remonter quasiment 60% de la lane sans souci. Pendant que Zed et Echo s'amusent à chercher le grave, du genre vas-y, sors de ton buisson, tu vas voir. Moi, je laisse les minions continuer leur chemin avec un sbire canon. Morgana se tape le crapaud. Ah, grand bien lui fasse. Ça prend un peu de temps. Nasus pousse en top, leur bot lane est en train de contrer notre vague pour la ramener chez nous. Et puis encore voler le red buff. C'est vraiment une vilaine cette fille. On se dirige vers le Nasus. Il a wardé le Nash. Moi je ward à travers le mur. Je prends pas la plante, je la laisse à Echo. On se rabat sur le Nasus. Moi je fais le tour par le bas finalement. Il a pas de Black Shield donc j'arrive à le stun. Ça nous laisse quelques temps pour l'éliminer avant qu'il se régène comme un taré. Et puis bon, 3 contre 1 ça va, le Nasus on gère. Par contre, 2 contre 1, le Nasus on gère beaucoup moins bien. Ils sont chez nous, le Z tente une défense de tour. Mais la MF commence à faire sacrément mal. Et surtout, faut juste éviter la cage de Morgana. C'est pas évident pour tout le monde. Voilà, il s'est fait cager. Un ult dans la foulée. Moi, je fais le tour parce que mon ult est revenu. C'est con que le Z soit plus là. Parce que ça m'a permis d'avoir la Morgana et la MF s'en tire à 3 fois rien. Grave tente le faux bac de haha, fais des trucs, je m'en vais, mais en fait, je m'en vais pas. Le Nasus arrache 30-40% des points de vie de Echo à chaque tir. C'est tellement nimpe. Heureusement qu'il n'y avait que lui de tanky dans la partie. Z est venu pour aider. Le Z bondit sur le Graves pendant que tout le monde s'acharne sur un Nasus toujours bien trop résistant et bien trop régénératif. Azir arrive en renfort avec Miss Fortune. Beaucoup trop. Morgana avait un petit peu de retard, c'est dommage. Moi je viens, j'essaye de calmer tout le monde avec une zone qui les fait fuir. Et c'est con que j'ai pas eu. À une seconde, je pouvais lâcher mon ult dans le tas. Et maintenant je retrouve plus l'occasion de lâcher mon ult facilement. Ils sont tous bien éloignés. Ulti, 1, 2 rebonds, il s'agit de stopper le Nasus qui ulti à son tour, c'est pas évident, il a pas le Black Shield. Et de toute façon, il se fait ulti par Garen. Il n'y a plus qu'à nettoyer les minions et s'occuper un petit peu de la tour. Graves monte pour nous arrêter. Morgana lui prête main forte, c'est pas à notre avantage, moi j'ai plus de mana.
Miss Fortune pousse à notre tourbot. Isa aussi. Echo va finir par prendre la décision de faire demi-tour, je crois. Voilà, il est en train de faire demi-tour. Il y a moyen de coincer la MF, ce qui serait pas dégueu. Isa le sait, elle lâche son ulti. Vous voyez que MF a une mobilité de taré avec sa Yumi. Et elle fait demi-tour juste avant de tomber sur Echo. Et elle a le temps de se farcir Sivir avant qu'Echo la tue. Un demi-tour bien vu. Je sais pas comment elle a su qu'il fallait faire demi-tour. Elle aurait fait quelques pas en plus. Elle tombait sur Echo d'abord et s'était pliée. Mais elle s'est tournée au bon moment. Il y a du monde en top. Il nous manque Garen, je trouve. Parce qu'il y a le Nasus. Mais il faut qu'on ait Nasus quand il y a. Il faut qu'on ait Garen, pardon, quand il y a le Nasus. On va dire que c'est worse sur le papier. Graves en Black Shield, c'est pas une bonne nouvelle. Malheureusement, Garen a déclenché son Q-spell avant la cage, et donc du coup il n'est pas libéré. Je crois que ça le libère de ça. Il faudrait que je vérifie, je suis pas sûr. Enfin, en tout cas, il veut se taper la tour. Il faudra 3, 4 attaques quand même. Sur le papier, il faut pas que je me fasse rattraper, mais en fait je me fais cager connement. Je me fais assez connement cager, je l'avais pas vu venir ce coup-là. J'avais la distance suffisante pour m'en sortir, mais j'aurais dû fuir bêtement sans essayer de faire le malin. Morgana face à Z, ulti Black Shield, Shuriken, fin d'ulti. Je dois avouer que Z est quand même quelqu'un que je banne de plus en plus dans les games quand un mec de mon équipe veut pas le jouer. Je retrouve Seb en mid, on fait pas de la figuration, mais on les occupe, sauf que Z nous rejoint. Du coup, un bon ulti qui rebondit bien sur tout le monde. C'est Azir qui a eu le Black Shield, donc il a mieux vécu que les autres. On a supprimé la tour d'Azir, on peut s'avancer vers l'Inhib. Tout le monde se rabat sur Echo qui essaie de choper la tour en douce. Moi je reste avec Morgana. Malheureusement, je me prends l'ulti d'MF et mon flash n'est pas assez long pour m'amener en dehors de l'ulti.
Et j'y passe. Et on va passer une bonne partie de cette fin de vidéo à essayer de rentrer dans leur base. Et Nasus en Black Shield, ça devient très compliqué de rentrer dans leur base. Là, Isa va tenter un truc qu'on tente que dans nos parties à nous, hein. Je veux dire, tenter un dragon ancestral en solo, en douce. Et ça passe, c'est pas courant. Donc, pendant ce temps, ils font les guignols pour être encore en haut et tranquillement, l'air de rien, Isa se farcit l'ancestral. Il reste qu'une T3, c'est celle du top. Je pense que c'est pour ça que Seb s'acharne dessus, mais ils sont nombreux à venir la défendre. Tu peux partir du principe que à partir du moment où tu te fais cager par Morgana, t'es mort parce que tout le monde va te rentrer dedans. Et là, moi je me fais encercler, mais je vois rien. Pour moi, ils sont loin, ils sont partis, ils se battent ailleurs. Et en fait, ils sont partout autour de moi. Je suis à 5 contre 1, j'ai à peine le temps de lâcher un ult. J'ai à ça d'avoir le hasir, mais il survit. Toujours pareil, il y a une petite manque d'AP finale ou de pénétration magique. Mais là, vraiment, voilà, je me suis fait encercler en beauté. La MF s'est avancée beaucoup trop loin face au Z. La tourtope est toujours debout. Notre jungler se rabat en mid. Nasus Black Shield fait fuir tout le monde. Echo tente de trouver une percée, ce qui est pas évident puisqu'ils sont quand même pas trop loin de leur tour. Moi je les rejoins, j'ai toujours une foi inébranlable en mon ulti, il a toujours son putain de Black Shield. J'essaie de trouver un endroit où il y en ait au moins deux à côté l'un de l'autre. On lâche l'ult, on essaye de s'enfuir du Nasus, mais on se fait avoir par l'ulti de Grave. Et on abat Azir dans la foulée. Et Morgana survit parce que c'est la mode. Ils en sont au dépush, la situation est quand même globalement pour nous, hein, faut pas se le cacher. Accélération, deuxième tentative de rentrer dans la base. Là j'ai repéré Morgana, je lâche les fantômes pour indiquer à Garen où elle se trouve, mais en fait elle a déjà bague depuis un petit moment. Et en échange on se paye un Nasus. Un Nasus Black Shield. Voilà, impossible à stun et qui m'arrache des points de vie par paquet de 2000.
Isa s'essaye sur le Navus. MF place son ulti. Ah non, là, on pouvait pas l'ignorer, c'est ça le truc, c'est qu'on pouvait pas juste tourner autour pour aller chercher MF ou Morgana, c'est qu'en un Q-spell, t'es mi-vie, quoi. Les voilà en train de défendre, on se dit que le Z va nous faire des trucs absolument miraculeux, avec son ombre et tout, et en fait, le truc miraculeux, c'est qu'il arrive à se barrer. Grey spagne complètement son ulti. Je sais pas s'il aurait pu, vu les forces en présence, je sais pas s'il aurait pu danser autour du Nexus pour l'abattre. Peut-être s'appeler Faker pour ça, je sais pas. Tentative numéro 2, avortée. On approche donc de la tentative numéro 3. Moi, de toute façon, c'est pas compliqué. Dès que je tombe en face du Nasus, qui a Morgana à côté, je me fais vite des boîtes et je sers plus à rien. Un petit ulti cadeau qui emporte personne. Il commence à devenir assez résistant. On part encore sur de l'entourage, sauf que je me méfie un petit peu plus. Voilà, faut juste éviter la cage de votre connasse. Et je me fais encore entourer, parce que je suis revenu, parce que je suis un groupe. Et je meurs comme une merde. Je crois que c'est la dernière fois où je me donne comme ça. Il me semble. J'ai un peu l'impression de revenir et de repartir au spawn immédiatement. C'est clairement pas ma meilleure partie avec Bond. Je sors péniblement du spawn, j'ai vendu l'item à Ward. On Ward plus trop, hein, enfin le siège de leur base quoi. En essayant de partir vers le Zonia, qui peut être une solution pour me sortir de la panade. M'apporter en tout cas de quoi résister un petit peu à ces dégâts AD omniprésents. Et à devenir invincible pendant quelques secondes. Je rejoins mes poteaux. Bouclier d'écho est absolument incroyable. Je lâche les fantômes pour ralentir qui de droit. Un petit ulti dans le Azir qui heureusement rejoint le Graves avec son soldat et me permet d'avoir un tick en plus. J'arrive à stun Nasus une fois parce qu'il n'a pas le Black Shield. Je me fais cage en tentant de faire autre chose. Le Nasus est très low, hyper low. Il se ulti par Garen et Isa est obligée de s'enfuir parce qu'elle a plus assez de points de vie. Echo tente les moves qui tuent et il se fait choper. C'est pas grave, me direz-vous. Tentative numéro 4. On se dit que peut-être qu'avec un ancestral en plus, ça va passer. Graves arrivait pour le faire et il arrive un tout petit peu trop tard.
Elsa est full stuff depuis une éternité. Même plus à quoi lui servent les gommes pour le coup. Ça part en fail sur le Nasus, qui heureusement se concentre gentiment sur Z, je suppose, vu ses points de vie. Et alors Nasus étant tombé, grâce à moi, grâce à un coup fatal, absolument fatal, Nasus étant tombé, et ben cette quatrième entrée risque d'être vachement plus pratique. On est dans la base, l'ulti d'MF est complètement pané, il n'y a personne là où elle le lance. 4 coups suffisent pour faire tomber le Nexus. Tout ça parce que Nasus est tombé en premier pour s'être lancé sur nous comme ça connement.